Félicitations à toi d'être arrivé au jour 3 de cette formation. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir où trouver nos contacts sur System.io et comment importer de nouveaux contacts sur System.io. Mais également, nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'un tag, comment créer un tag et comment gérer les tags. Donc, sans plus tarder, nous allons nous rendre sur mon écran pour la suite de cette formation. Dans l'onglet Contact, nous allons avoir Contact. Ici, c'est l'ensemble des contacts que nous allons faire venir sur System.io. C'est-à-dire que lorsque vous allez créer votre page de capture, dans la page de capture, il y aura la partie, comment on appelle là, l'email et le nom du contact. Voilà, ça dépend. Vous pouvez mettre l'email, le prénom, le nom du contact, le numéro du téléphone, le pays, tout l'adresse. Non, non. Mais le plus important, c'est de faire une page de capture simple. Voilà. Plus la page de capture est simple, plus les gens ont confiance et ils laissent les coordonnées. Voilà, je préfère les pages de capture plus simples qui ont un bon taux de conversion sur les pages de capture avec simplement le prénom et l'adresse email. Voilà, donc lorsque vous allez créer votre page de capture, faites l'effort d'être le plus simple possible. Demandez simplement le prénom et l'adresse email. Il y a même des gens qui font les pages de capture avec simplement comment on appelle l'adresse email. Donc, en fait, ce sont des pages de capture qui ont plus du taux de conversion. Parce que lorsque vous demandez un peu trop à un prospect, genre le nom de famille, le numéro de téléphone, le pays, la ville, bon, ça devient vraiment comme une sorte d'interrogatoire, donc le gars il est un peu méfiant. Donc voilà, donc je vous invite dans la création de vos pages de capture d'être le plus simple possible. De toutes les façons, nous verrons dans la suite de la formation comment créer une page de capture qui convertit. Voilà, donc les différents prospects que nous aurons dans la page de capture viendront ici. Ça va s'afficher ici. Vous avez aussi la possibilité d'importer des contacts. C'est-à-dire que des contacts que vous avez peut-être leur adresse sur d'autres logiciels d'auto-répondeur. Bien sûr, avec leur accord. Parce qu'aujourd'hui, avec la RGPD, on ne peut pas prendre les données d'un prospect et l'utiliser sans son consentement. Voilà donc, si c'est avec leur accord, voilà, vous avez la possibilité de les ramener sur System.io. Voilà, dans ce cas, vous allez faire importer leurs contacts. Quand vous allez faire importer leurs contacts, ils vont vous demander de télécharger un fichier SCV. Voilà, que vous allez télécharger directement tout pour importer tous vos anciens contacts sur System.io. Ici aussi, vous avez la possibilité de rajouter de nouveaux contacts lorsqu'on clique. Allez voir. Voilà. Vous pouvez mettre l'email du contact, son nom, son prénom. Bon, remplissez ce que vous avez, ce que vous concerne. Vous allez remplir simplement et puis trouver le contact comment on appelle, dans vos différents contacts sur System.io. Mais le plus important, c'est de ne pas oublier qu'aujourd'hui, avec la RGPD, on ne peut pas utiliser les données d'un prospect sans son consentement. Voilà, donc, raison pour laquelle je préfère avoir des pages de capture simples où le prospect lui-même vous donne ses contacts, voilà, en échange d'un cadeau. Voilà, donc c'est ce qu'on fait, on dit un lead magnet. Donc on offre quelque chose de gratuit pour que le prospect nous remette ses contacts, voilà, qu'on pourra utiliser un peu plus tard. Dans la suite de la formation, en fait, on verra un peu comment mettre en place un tunnel de vente. Voilà, donc je vais me limiter à là. Ensuite, les tags, comment gérer les tags? On va expliquer un peu qu'est-ce que c'est qu'un tag. Voilà. Ici, vous voyez que c'est vide, il n'y a pas de tag. Voilà. Donc, un tag, c'est rien d'autre qu'une identité que vous donnez à chaque prospect. N'oublions pas que nous sommes ici pour faire de l'affiliation. Nous avons beaucoup de produits que nous allons faire la promotion. Je prends l'exemple, nous allons peut-être avoir un produit de santé, un produit de développement personnel et peut-être un autre produit sur l'éducation canine. Voilà donc. Vous voyez que déjà, ça fait déjà trois produits. Donc, si je laisse le contact avec des pages de capture, ça sera. Je risque de me perdre, en fait, parmi mes contacts. Voilà. Donc, pour chaque page de capture, je vais créer un tag. C'est comme une étiquette. Je vais dire, bon, ceux qui sont venus via, pour suivre, comme on appelle, le programme de formation, mais pour acheter la formation de l'éducation canine, je vais les intégrer au tag. Peut-être que je vais nommer tag canine, je mets tag éducation canine.
Ensuite, ceux qui sont venus via la formation de développement personnel, je vais créer un tag appelé tag développement personnel, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. De telle sorte que quand je viens dans mes contacts, je n'ai pas de difficulté pour retrouver un peu les différents contacts. Voilà. Parce qu'en fonction des différents tags, nous allons porter, créer, c'est-à-dire créer des emails que nous allons envoyer à ces différents, à nos différentes, à nos différentes listes. Voilà, donc ça nous, en fait, les tags sont là pour nous faciliter, franchement, la classification de nos différents contacts en fonction de leur sensibilité. Voilà, donc pour créer un tag, c'est tellement facile. Tu viens ici, on va créer, même faire la simulation d'une création de tag. Je mets le nom, peut-être par exemple. Par exemple, oh, je mets prospect, prospect carrément, prospect, e-book gratuit. E-book gratuit. Voilà. Donc, j'ai mis prospect e-book gratuit. Je valide. Voilà. Donc, voici le tag que je viens d'écrire, prospect e-book gratuit. Vous avez eu contact inscrit aujourd'hui. Contact inscrit hier. Total de contacts inscrits et contacts désinscrits. Tout ça pour dire quoi? Lorsque je vais créer ce tag-là, il va me demander de rattacher ce tag-là à une page de capture. Alors, lorsque je vais rattacher ce tag-là à une page de capture, lorsque les contacts, les prospects viendront sur la page de capture via ce tag, ils seront comptabilisés ici. Si c'est aujourd'hui, ils sont entrés, ils seront comptabilisés aujourd'hui. Si c'est hier, ils seront comptabilisés hier. Ensuite, le nombre total de contacts sera là. C'est-à-dire que c'est tellement clair que je ne peux pas me perdre avec mes différents contacts. Alors, donc, je vous invite vraiment à créer des tags pour tous vos différents contacts. Alors, nous verrons ça dans la suite de cette formation, comment créer les tags et comment les relier à une page de capture afin de pouvoir mieux exploiter nos différents contacts. Donc, je vous invite à la suite de cette formation sur la partie tunnel de vente. Je pense que c'est le plus gros, gros, gros. La plus grande partie de cette formation-là qui sera consacrée à la création d'un bon tunnel de vente. Donc, sans plus tarder, on passera tout de suite à la formation de notre différent tunnel de vente. Ciao, ciao, à tout à l'heure.